plus remplie. Le LOSC reçoit Aston Villa et c'est vraiment l'ambiance des très 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 grands soirs. Quand il fallait pousser et qu'ils nous aidaient à pousser, ben, ils étaient là. Ça fait 2 ans que les supporters, on sent qu'il voilà, y a un truc qui se passe. Il faut savoir que l'année dernière, je me rappelle surtout les déplacements. Les déplacements de fin de saison, ils étaient incroyables. Dernier match à 3 où ils ont rempli la tribune. Je pense que ça a lancé la saison suivante qui a fait que cette année, voilà, ils ont répondu présent, mais tout le temps, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Les abonnés ont encore augmenté. L'ambiance, sincèrement, que ce soit les gros matchs ou même des matchs entre guillemets moins prestigieux, ça a toujours été au rendez-vous. L'enchaînement et le but! Le but d'Edouard! Il est beau cet enchaînement! Et Dante Gouva! On sent un élan, une jeunesse, un renouveau. C'est incroyable parce que pour certains, en gros, on n'a pas l'habitude de jouer dans des aussi grands stades, surtout avec des stades quasiment tout le temps plein. Et non, c'est. Ça met une ambiance de fou. On le sent justement quand fallait pousser et qu'ils nous aidaient à pousser, ben, ils étaient là. Ça, c'est magnifique pour nous les joueurs, c'est magnifique pour la ville. Et en fait, ça nous pousse aussi. Il n'y a pas eu d'accrochage ou de deux fois ce qui peut arriver, ce qui arrive dans des clubs. Mais là, je trouve que voilà, on s'entend bien, on essaie de leur rendre nous sur le terrain, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut leur rendre. Elle est belle, là, elle est belle, là. Gudmundsson qui va avancer, Gudmundsson. Peut-être le centre rentrer, la frappe. Et le but. Le doublé, Zegrova. Le doublé pour Edon Zegrova. Et oui, 2-0 pour le LASK. J'ai envie de comparer Lille-Lens et Lille-Aston Villa, mais c'est deux contextes différents. Mais en tout cas, ces deux ambiances étaient folles. Deux des plus belles qu'il y a pu y avoir au stade, en fait. Grand respect à eux et merci, merci du fond du cœur. On espère qu'ils feront pareil l'année prochaine et que ça ne s'arrêtera pas. Continuez parce que j'ai envie de penser que en fait le LOSC va faire que grandir. Et oui, on les invite à continuer, à devenir une des ambiances les plus chaudes de France aussi. Le club est déjà grand, mais je pense qu'il peut l'être encore plus, et ça passe aussi par ses supporters.